Je vais vous présenter le premier secret sur le mode zombie de MW3. Ce secret va vous permettre de tuer le roi des mimiques et accéder à une pièce secrète. L'emplacement de cette pièce se trouve en H7, dans le sous-sol du manoir de Shahin. À cet emplacement-là, vous allez trouver un échiquier. Sur cet échiquier, il y a trois pions qui représentent trois ennemis que vous allez devoir tuer. Pour savoir leur emplacement, il suffit de superposer l'échiquier à la map. Donc par exemple, la tour sur l'échiquier représente l'emplacement sur la carte B4. Alors maintenant, ce que vous allez devoir faire pour déclencher le secret, c'est de vous rendre à l'emplacement du pion sur l'échiquier, qui représente la case I1. À cet emplacement, il y aura une petite cabane au bord de l'eau, et dans cette cabane, il y aura un téléphone que vous allez devoir interagir avec. Quand vous allez interagir avec, il y aura un zombie disciple que vous allez devoir tuer. À ce moment-là, vous aurez activé la première partie du secret. Alors il faut savoir que cette étape peut être réalisée par tous les autres joueurs du lobby. Et pareil pour tous les adversaires que vous allez devoir tuer ensuite, ils peuvent tous être éliminés par les autres joueurs de la map. Donc c'est ce qui rend la tâche un peu plus compliquée. Mais enfin bref, quand vous avez terminé la première étape du secret, vous allez devoir vous rendre à trois emplacements bien précis pour éliminer trois adversaires. Le premier emplacement, c'est dans la case D1. À cet emplacement, si vous suivez les rails, vous allez arriver dans une sorte de tunnel et dans ce tunnel, il y aura une personne que vous allez devoir éliminer. Quand vous aurez réussi à l'éliminer, vous allez pouvoir accéder à son téléphone pour effectuer une transmission. La deuxième personne, c'est le pion chevalier qui se trouve en case F6. Par contre, cet adversaire va faire le tour de la map en suivant le chemin de fer. Donc ce que vous allez devoir faire pour le trouver, c'est de suivre les rails dans le sens des aiguilles d'une montre et vous finirez bien par tomber dessus. Alors faites attention parce que cet adversaire ne s'arrêtera pas. Il continuera toujours sa route et il vous tirera dessus avec une mitrailleuse, plus vous lancera des mines pour exploser votre véhicule. Et pour réussir à arrêter le véhicule, vous allez devoir tuer le mec qui se trouve à la mitrailleuse. Quand vous aurez réussi à le tuer, vous allez pouvoir récupérer son téléphone et effectuer la deuxième transmission. Ensuite, le troisième ennemi se trouve à la case C5. Dans un grand hôtel, vous allez devoir vous rendre au dernier étage. Mais faites attention parce que quand vous allez monter dans cet hôtel, il y aura des pièges un peu partout. Il y aura des mines et des tourelles. Quand vous aurez réussi à atteindre le dernier étage, vous allez devoir fouiller les chambres pour trouver l'adversaire en question. Dès que vous aurez réussi à le tuer, vous allez pouvoir enclencher la troisième et dernière transmission. À cet emplacement-là, dans une des autres chambres, il y a un téléporteur qui vous permettra de vous téléporter dans la case H7, qui est tout simplement l'emplacement de la pièce secrète. Et pour activer le téléporteur, vous allez devoir tirer dans les mêmes runes que moi je tire dans le gameplay et dans le bon ordre. À ce moment-là, ça vous activera un téléporteur que vous allez pouvoir utiliser pour vous téléporter directement vers la pièce secrète. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à déverrouiller cette pièce et rentrer dedans pour faire apparaître le roi des mimiques et accéder au contenu à l'intérieur. Alors très important, pour l'instant, on ne débloque pas de variante ni de carte de visite. La seule chose qu'on débloque, c'est le loot qui est à l'intérieur de cette pièce secrète. Donc au final, il y a deux solutions. Soit le secret n'est pas encore activé, donc on ne débloque pas les récompenses, ou soit il y a une suite à ce secret qui n'a pas encore été découvert. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant si j'arrive à avoir plus d'informations.